Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tout à fait par hasard. On va parler ensemble de The Cycle, ou The Cycle à la française, parce qu'après tout, on est français. Et d'ailleurs, vive le camembert, mais bon, tout ça, c'est secondaire. Donc, qu'est-ce que c'est que The Cycle? Je vais vous montrer qu'une partie. Et d'ailleurs, pour cette partie, je serai accompagné de mon ami Insane. Salut Insane. Salut, salut. J'ai cru qu'il s'est endormi, c'était peut-être le cas. Oui. Bon, on tourne l'après-midi, donc en théorie, non. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se présente plus ou moins en apparence comme un Battle Royale, mais qui n'en est pas un du tout, en fait. Pour vous expliquer comment ça se passe, vous êtes lancé à 20 dans une arène, donc soit 20 joueurs solo, soit 10 équipes de 2, soit 5 équipes de 4. Et vous avez plusieurs missions à remplir qui vous donnent un nombre de points. Et à la fin, c'est ceux qui ont réussi le plus de missions qui ont gagné. Bien sûr, vous pouvez vous tuer. Donc quand vous tuez, forcément l'autre joueur vous marquez des points en plus. Quand vous mourrez une fois, vous pouvez res, et il faut récupérer entre guillemets votre corps. Sinon, la deuxième fois que vous mourrez, vous êtes mort définitivement. Après, si vous récupérez votre corps, à chaque fois que vous récupérez votre corps, vous pouvez continuer et remourir. Au niveau de l'évolution du jeu, à la fin de chaque partie, vous gagnez des dollars qui vous permettent d'acheter des meilleures armes dans les fonctions. Et quand vous faites les parties en jeu, vous gagnez aussi des dollars qui vous permettent d'acheter des armes en jeu, mais à chaque nouvelle partie, entre guillemets, c'est reset. Par contre, pas vos armes que vous achetez en progression. Je vais vous en parler en partie, ça va être beaucoup plus facile, mais regardez par exemple, moi j'ai choisi cette fonction là, donc là vous inquiétez pas, c'est pas fluide, mais c'est parce que c'est le hub de départ, il y a beaucoup de monde. Donc vous voyez, au fur et à mesure, j'ai des dollars, là je les gagne, et ça permet d'acheter des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouvelles compétences, la tourelle, etc. etc. Il y a 3 factions, vous pouvez progresser. Ça fait entre guillemets une évolution réelle sur le long terme. On va lancer une partie maintenant. Donc en duo, on va se la faire en mode tranquillou parce que comme je vais vous parler, je vais pas être concentré. Le jeu est free to play. Il est disponible sur l'Epic Game Store uniquement. Il parle de le sortir plus tard, peut-être sur Steam, peut-être sur console, etc. Je pense tout à fait qu'il serait totalement adapté à une sortie console. Bon, là, on y joue clavier souris, mais j'avais été assez simple à prendre en main. Donc pour moi, une manette ne serait pas éliminatoire. Et donc c'est un jeu qui est vraiment très fun, vraiment très sympa. Donc c'est comme dans tous les jeux, hein. Pour gagner de l'argent, ils vous vendent des cosmétiques, donc comme beaucoup de cas, ou un pass de combat donc, que j'ai pris, hein, qui coûte 9 euros, enfin 10 balles quoi. Et vous pouvez réacheter automatiquement en passant tous les niveaux du pass de combat de la saison d'avant, puisque le pass est à 950 et vous pouvez gagner 1000 si vous faites les 100 niveaux. Donc voilà, grosso modo. Après, c'est du cosmétique, hein. Donc pour moi c'est indispensable, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Bah oui, Insane, t'es d'accord, un cosmétique c'est indispensable. Oui, derrière, j'ai le pass de combat, donc vous voyez, j'ai un cosmétique qui a de la gueule quand même. Ça pète de partout, j'aime bien. Donc vous avez mon pote Insane qui, lui aussi, comme moi, est un gros geek du skin et donc il a fait pareil que moi. Ah, ça y est, t'as trouvé comment tirer? Oui. Au niveau de la population, il y a quand même beaucoup de monde sur le jeu parce qu'on attend quasiment jamais pour faire des parties. Ça lance grosso modo en 30 secondes, peu importe le mode de jeu, puis après il y a une minute, le temps que tout le monde se connecte, tout ça. Vous avez des parties normales, d'autres classées, mais vous n'avez pas de classé en solo. Les cartes sont différentes, ce qui fait que sur chaque carte vous avez des missions spécifiques, même s'il y en a quand même pas mal qui reviennent, récolte de métaux, etc. On va essayer de vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur celui-là ? Il n'y a pas le train, tant mieux. Ouais. On va commencer par récolter, hop, minéraux. Alors vous voyez, il y a un magasin marqué en bas 0$. Bon, Insane a des problèmes de connexion, donc il arrive toujours après moi. J'ai une foreuse qui est en train de faire, normalement il y a des monstres qui arrivent. Et le paradoxe c'est que vous pouvez très bien gagner une partie en ayant fait 0 PVP.
Je vais peut-être aller à la station. Ouais, on a une station à côté, on va faire la station. La station, ça rapporte pas mal de points. Ouais. Vous voyez à gauche, j'avais un système de points, de missions à faire, des points et votre classement en haut à droite. Donc pour l'instant, tout le monde a 0, parce que forcément, on vient de commencer. Là, vous avez un système de progression, c'est que plus vous jouez, plus vous améliorez vos points dans les factions, plus vous avez d'argent disponible, plus vous pouvez acheter des meilleures armes à acheter en jeu. Et c'est comme ça que ça facilite la progression. Mais bon, comme il y a des saisons, t'as un joueur près de toi. Ah ouais. Il est où ce qu'on a? Disparu. Oh putain, il est là. Ouais. Ah, c'est un robot qui me tue. Seul contre deux, j'ai aucune chance. Hein. Ouais. C'est de tuer ici. Bah, c'est possible. Hein. Bon, là, faut qu'on se raise, on n'a pas le choix. Moi, je me suis raise. Hein. Vous voyez, si je remeurs, bah, j'aurais perdu. T'es déjà revenu, toi? Non, ils m'ont pas encore tué. Ah, mais tu m'as dit que t'étais mort. Ouais. Ah, ils t'ont pas achevé, tu veux dire? Ouais, ils m'ont pas achevé. Ah, ok. Ça y est, j'ai reparu. Bah, moi, si j'y retourne, moi, je risque de mourir, donc. Mon corps est protégé ou pas? Ouais, si, non, je peux pas récupérer. Ils sont plein dessus. Ouais, ah, ils sont encore là. Bah, si je meurs, j'ai perdu, donc moi je me barre, hein, écoute. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je vais y aller aussi, de toute façon. T'as même fait de te barrer. Par contre, ne ramène pas sur moi parce que sinon ils vont me tuer hein, si ils te poursuivent. Ouais. Je suis aimé, trop. On passe de level, ce qui fait que notre armure s'améliore. Gaffe, il retourne là où ils étaient. Sur la station là? Ouais. Bah, donc, j'essaie de les attirer. C'est bon, ils m'ont retrouvé, ils reviennent vers moi. Ouais, moi j'y suis pas de toute façon. J'étais parti faire un autre cristal. Attends. Après, t'es pas tout seul, tout à l'heure déjà. Ah, je vais mourir. Bah oui, voilà. Need help over here. Need help. I'm down. Moi, j'avais essayé de les attirer pour que tu puisses récupérer ton. J'ai récupéré. Il risque de revenir. Ouais, je me barre. C'est bon, c'est que des cristaux pas loin. Je vois qu'il y a une qui se casse. Ouais. Puis on va faire autre chose. Ouais. C'est en train une qui est en train d'être faite tout en bas à droite, mais elle est à 1 sur 3, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui la font. Ouais. Je fais des cristaux, on essaie de marquer des points. Je tue des monstres pour qu'on puisse acheter une meilleure arme. Donc pour gagner de l'argent, c'est pour tuer des monstres. Ils vont faire des missions, mais c'est pas énorme. Ouais, mais très peu, c'est les monstres qui apportent le plus d'argent. Ouais. Ouais, les foreuses ont commencé, mais bon, le problème c'est que tant qu'on n'a pas une meilleure arme que ça, il faudrait déjà être regroupé. T'as récupéré ton corps ou pas encore? Ouais, c'est bon. Ouais. Là, il faudrait qu'on monte à 200 pour pouvoir avoir une arme, pour aller faire une autre mission.
Hop, moi j'ai juste une arme. Voilà, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission en proximité? C'est quoi le truc au milieu là? Ce sera la zone d'évacuation. Non, c'est l'activation de la station centrale. Ouais. On va où? On va à la foreuse. La foreuse, ça n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est chaud. On l'a jamais fait. Hein. C'est la centrale principale, sinon. Mais y'a quoi la centrale principale? C'est pareil que le reste? Je pense pas. Non, c'est un défi, c'est à part. C'est pas comme les animateurs. Bah, on peut les voir d'à côté, hein. Tu veux les voir? Ouais. On est encore débutant sur le jeu. Hein. Il y a un gros cristal là. Il y a d'autres joueurs surtout. Ils sont aux pompes. Ah, c'est pas plus doux. Un presque mort. Il y en a un qui est presque mort aussi. Il se barre. Ah, j'en ai tué un. L'autre est pas très loin de toi, je crois. Tu le vois le deuxième? Non. Il s'est barré le deuxième. Je l'entends. Ah, il est beau. J'ai de dos. Il, il est en train de remonter. Il va mourir, hein. Il est nul, hein. C'est bon. Il essaie de nous prendre, au cac. Ok, bien joué. Bon, vous voyez, les peuples se restent, comme on les a pas tués. Après, on pourra les camper, mais pendant ça, si on les campe, bah on perd du temps, parce que finalement, on fait rien. Ah, y'a un mec avec un cristal qui est encore dedans. Ouais, je l'ai vu. Maintenant, je suis coincé, j'arrive pas à remonter. Fais gaffe, il a sûrement un pote. Vu que c'est du 2, il doit pas être tout seul. Mais lui, il est mieux armé que l'autre. Hein. Ils sont mieux armés, ouais, que nous aussi, accessoirement. Ouais. Un autre contact à moi. Ouais, faut se barrer. Ouais, non. Eux, ils ont des armes, ils sont en avance sur nous dans la game. Hein. Ouais, je m'en vais. Bah, moi, je suis caché en fait, mais ils vont bien me voir. Ouais, bah, vu, dommage. Non, je suis mort. T'as okay. Distance, ouais, non, mais ils ont l'arme améliorée. Ils sont déjà à l'arme, ils sont déjà aux armes à 500, clairement, tu vois bien. Mmh. Ils n'ont pas encore tué. Ils n'ont pas tué? Ah, pas encore achevé. Bon, j'y reste. Ouais, c'est bien joué. Bah, je fais des cristaux pendant ce temps-là. Help. Ah putain, il me lit en plus. Oh, leurs armes sont trop puissantes. Ouais, leurs armes sont trop puissantes. Même au corps à corps, j'ai un peu. Ouais, ouais, non, mais ils ont les armes à 500. Parce qu'ils ont fait des missions plus rapides que nous, donc t'es plus efficace, c'est tout. Ouais. J'ai une station près de moi, j'y retourne. Ça va me montrer un peu d'autres fonctions. Quoi que temps, j'ai un cristal à côté. Si on le passe, on va marquer des points, parce que là, on est 8ème sur 10, on est en train de chier un peu dans la colle. Ouais. Ça fait le temps qu'on fait PVP, finalement, le PVP ne rapporte quasiment pas de points. 5 points quand vous faites un kill, franchement, bof, quoi. Ouais. Hop, j'ai acheté la foreuse, la tourelle, pardon. Hop. Hello. Hello. Je suis en train de faire une vidéo, hein, par contre. Alors, ensuite, on va faire les trucs de réparation. Il est revenu 6ème. Ouais, on est revenu 6ème. Ah, ils sont tous concentrés vers le milieu.
Ouais, c'est pas grave, on vend différents gameplay. Par contre, faudra penser à récupérer un autre corps à un moment. Ouais. Parce que là, s'il y a un mec qui vient et qui nous fume, on est mort quoi. Faut espérer qu'il y ait plus grand monde dans le coin. Si on voit que s'il y a un fight, on se barre. Hein. Ah, j'en aurais pas. Oh putain, j'ai des freezes. C'est toi qui tire. Ouais, merci. Je prends des balles, ça va être les robots. Ouais. T'actives le truc central ou j'y vais? Ok. Vas-y. Oui, ça c'est une autre mission. Il y a plusieurs missions différentes selon les cartes. C'est bon. Au niveau cristal, on est... bof quoi. La foreuse, on l'a jamais fait, ça a été mal d'affaire, mais moi j'essaie d'accueillir mon corps, je suis à 200 mètres. Ouais, je suis à 200 mètres aussi. Ok. C'est quoi ça? Il y a des gros monstres, mais j'ai pas le temps de les faire. Donc je les monte vite fait, mais je me barre. C'est pas grave, même les gros monstres, au bout d'un moment, vous pouvez mourir par le PVE. Ah ouais, quand t'as des bruits, ça. Oui. Ça se fight toujours dans le truc central du milieu. Il y a une tourelle là. D'un joueur. Il est juste au-dessus de l'endroit où on est mort tout à l'heure en fait. Donc potentiellement il y a gros danger. Dès que t'as récupéré ton corps, on peut le retenter, mais. J'accueille mon corps. Vu les armes qu'ils ont. Attends, il y a un autre Zell à récupérer. On va y récupérer un cristal de Zell nous aussi. Ouais. Bon, par contre, j'ai des freezes. Je sais pas si c'est fait de record. Ah, si c'est pas fluide pour vous, ça vient de mon enregistrement. Hein, parce que le jeu est plutôt fluide sinon. Ah, là, il y a plus le cristal en fait. Il était ramassé, je pense. Ah, là, il devait être là, mais il y a plus. Non, il y a plus en fait le cristal. C'est un joueur qui est là, qui se déplace avec. Je pense qu'en fait, c'est les deux mecs qu'on a croisés, on avait un chacun. Ouais, qu'on essaie de faire des stations. Je crois des stations. Tu veux faire quoi du coup? Comment on fasse une chacun de notre côté. Ah, ça fait. C'est chaud. Ouais. Ouais, mais on peut, vas-y, allez, go. C'est un moyen de gagner pas mal de points. Tu vas prendre laquelle? Ou sinon, on va à la foreuse. Vas-y, on va à la foreuse, c'est pas très loin. La foreuse, ouais. 300 mètres, vas-y, go. Après, la foreuse, on l'a jamais fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Ça se fight devant moi, je viens de voir les balles voler, juste en face de nous. Ouais, j'ai vu aussi. Mais oui, ça va la foutre. Alors c'est paradoxal, mais le PVP est plutôt secondaire. C'est bien pour vous débarrasser des équipes quand vous voyez que le mec il pourra pas se reste, ça vaut le coup. Mais sinon, c'est pas comme ça que vous gagnez. Hein. La foreuse, je sais pas comment ça fonctionne. Hein. Je sais pas comment on y grimpe là-haut déjà, tu sais toi? Non. Ah, je me prends des balles. Je me fais tirer dessus par un joueur. Ah oui, ils sont hauts. Ah, ils sont hauts de la foreuse? Ouais. On va crever, vas-y, barre-toi. Ouais, ils font trop mal. Ouais. Bah, je suis mort, putain. Ah, ok, vas-y, ils m'ont instant kill, hein, t'as vu? Ouais. Tiens, comment ils tirent de loin? Ouais, ouais, ouais. Ils font mal, hein. Oui, je confirme, je suis mort instant alors, oui. Il y a des gens qui arrivent sur nous. Est-ce qu'on est couché? Bon, celui de Tolera, on a commencé hier. Donc. Bon. Il y a deux stations en côté. Toi, je crois que tard, j'ai oublié de ramasser ma tourelle. Comme un con. Ah. Je l'ai ramassé, ça y est, mais j'avais oublié. Bon, je fais une station à tout seul de mon côté. Ok. Moi, je vais essayer d'en faire une d'abord. Je crois qu'il y a des gens pas loin, s'ils viennent de la petite ville. Effectivement, il y a des gens qui sont dessus.
encore un des... Non, je l'ai pas activé, mais quel... je suis con. Il me reste dans 4 minutes. Ah ouais, évacuation 4 minutes, j'ai vu, mais... Là, je vois une caisse d'approvisionnement. Ouais, ça m'a donné 25$, c'est pas fou. Ah ouais, mais si j'en ai une. Là, je trouve pas le dernier machin. Justement, quand je regarde le groupe, c'est pas. Ouais, là, je vois pas. Ça te met un petit trait blanc. Non, là, je l'ai pas. Ah, non, je l'ai pas. Ah, oui, c'est ailleurs, oui. C'est mes yeux. Ah, bah, j'ai une vue de merde en même temps, c'est pas nouveau. Ouais. C'est embêtant. Ouais. Et bon, je suis arrivé au taux d'électricité. Bah, c'est bon, je l'active, là, je vais avoir fini. Ouais. Si tu fais le tien, on aura pas mal de points. Tu vas y arriver ou pas? Ouais, ouais, c'est vrai. Si tu le fais, on aura 35 points. Ça nous fera pas de mal. Ouais, on s'en sort moyen. On a droisé deux joueurs qui ont des armes monstrueuses. Et tu verras sur la vidéo. Du haut, ils sont en haut de la foreuse, ils nous ont quasi instant kill quoi. En tirant tout droit, mais bon. Je pense que si Insane il réussit à faire sa station, on peut réussir à terminer dans les 5 premiers. C'est bon. C'est bon ? Pas encore. C'est bon. Cinquième. Ouais, ce sera déjà pas si mal. Les autres qui sont quasiment tous morts. J'aurais bien aimé récupérer mon corps avant de tenter l'évacuation, mais je suis à côté de l'évacuation. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter le camouflage. J'évacue une scène. Vas-y, vas-y, moi j'arrive. Sachant que si un des deux évacue, c'est bon. Vous avez les points d'évacuation. Bon. Il y a un mec qui... Points, et il me voit. C'est bon, normalement j'ai évacué quand même. Et il me voit ouais. Malgré le camouflage. Hein. Ah, il y a des mecs qui campent toujours l'évacuation pour essayer de marquer les derniers points pour vous empêcher d'évacuer. Ah, ah dommage. C'est bon, t'as évacué? T'as évacué, c'est bon? Ah ouais, j'ai évacué. On va regarder combien on est. Ah le shit, on va finir 5ème. 5ème normalement, ouais. Peut-être qu'il me voit avec le camouflage, peut-être parce que si eux, on n'a jamais fait gaffe, mais ça se trouve, c'est pas un camouflage très efficace, hein, je sais pas. Hein. Non, non, non. Bah, tout à l'heure, je te voyais. Tu me voyais? Vu troisième personne, mais ouais, je te voyais. Ouais, parce que peut-être que les monstres ils nous voient pas, mais que les joueurs ils nous voient. Ouais, tu vois comme un esprit, quoi. Tu vois une lueur en fait. Alors, ouais, on a fait une cinquième place, c'est honorable. C'est honorable. Ça va encore. Ouais, c'est moins bien que hier, mais bon. Hier, on a fait deux deuxième places en classé, moi et Insane et Eol en squad, et puis après, juste Eol et moi. Mais bon, toutes les parties ne vont pas forcément toujours bien se passer. Mais je vais faire des tests de stream, voir si en Medium je pourrais pas vous le streamer en direct. Comme ça vous pourrez venir nous voir en stream sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description de ma vidéo. Mais à mon avis, en baissant les graphismes, je vais pouvoir le streamer. Il n'est pas trop gourmand. Voilà. Donc vous avez vu une partie complète. Bon alors, sur d'autres cartes, vous avez eu d'autres types de missions. Là, vous avez juste vu les cristaux et la réparation de stations, mais il y a des défenses de drones, il y a des monstres à pourchasser, il y a des monstres... Il y a de la poursuite de monstres, en fait. Vous avez des empreintes au sol, il faut les retrouver, un peu comme dans un Monster Hunter. Vous avez des types de monstres à éliminer, à récupérer. Vous avez des cristaux de zèle, donc ça, on a pas pu les récupérer, mais ça vous donne des points tant que vous les conservez, et après, les autres joueurs voient où vous êtes. Donc, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Donc, c'est un jeu qui est plutôt complet. Moi je vous recommande fortement, surtout qu'il est gratis, donc il n'y a rien à perdre. En plus il est quand même très...
très peuplé, donc on n'attend pas, etc., etc. Bon, je joue avec Insane et P.E.L. qui sont aussi convaincus par le jeu, je crois, du moins, Insane. Ouais. Franchement, j'aime bien. Ouais. P.E.L., vous l'entendez peut-être pas parce que j'ai baissé son son. Bon, il a dit quelque chose, mais on n'a pas entendu, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était... Ah, remonte-moi son. Ouais, non, mais si je remonte ton son, ça va me couper la vidéo. Donc, on aura un commentaire dans une prochaine vidéo. Ouais, d'accord. Non, mais je pense que je vais pouvoir le streamer, comme ça tu pourras faire part à tout le monde de toutes tes réflexions. Et quand il y a Eol dans les vidéos, elles sont toujours drôles. Il n'y a pas plus de skill, mais il y a plus d'humour. Et ça, c'est bien. Voilà, c'était The Cycle, donc gratos sur l'Epic Game Store. Je vous conseille fortement. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et très important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut!